Allez, attention. Et voilà qu'il s'élance pour cette épreuve, le prix du fond éperon. Avec en tête le numéro 5, Fen du Blavet, suivi à son extérieur du numéro 3, Clofindon, monté par Perrine Russia. Alors qu'en dernière place est resté le numéro 7, Darcy Maganet, monté par Dorta Hachemi. Pendant qu'ils vont de plus en plus vite et qu'ils abordent déjà la fin de la ligne droite pour entrer dans le tournant. Le numéro 5, Fen du Blavet, pour le ranch de choix, est toujours en tête. Alors qu'à l'issue, nous avons toujours l'As Roxane, monté par Lilou Messager. Le 2, All Ireland Rebel, monté par Aurélie Joanneau. Fen du Blavet est toujours en tête. Pendant que dans le tournant, ils accélèrent de plus en plus vite et qu'il se fait de plus en plus distant. Fen du Blavet qui rétrograde à la troisième place. Pendant que la casaque blanche de Jocelyn Desvoleaux, montée par Laurine Le Glen Bailly pour le ranch de choix, est en seconde position dans la ligne droite. Il continue de plus en plus fort à avancer pendant que le numéro 6, Hamzan, montée par Stéphanie Béguin, avance de plus en plus et va l'emporter de la plus belle manière, de si longueur, le numéro 4. Jasmin Desvoleaux va terminer la seconde place. Le 5, Fen du Blavet, va conserver la troisième place. Suivi du 2, All I Want Rebel. Et le 6, Hamzan. Il y a deux 6 là, je ne comprends pas. 5, 2, 6. C'est 8. Non, c'est 8, le premier. Ah. Les deux qui sont coupés. Ils se sont échangés, je crois. Voilà, pendant que... As. L'As, le 3 et le 7 l'emportent. Le 7 qui, malgré un très bon début,